Hello à tous et bienvenue dans ce tout nouveau weekly vlog, j'espère que ça vous plaira. Coucou, c'est la Priscilla qui filme et qui n'avait pas prévu de filmer. Aujourd'hui on est mercredi, je ne sais pas quantième du mois d'avril, mais je vous marquerai la date. Comme chaque mercredi, j'ai ma marraine qui vient à la maison et on est allé un petit peu... dans la jardinerie près de chez moi au fait, pour que je prenne déjà 2-3 petites choses. C'est les premiers petits achats, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa à vous montrer. Je vais commencer avec les aromatiques. J'ai repris un romarin pour le potager parce que le nôtre au fait n'a pas survécu cet hiver. Alors normalement ça tient très bien et il a très bien tenu pendant plusieurs années. Mais voilà, l'hiver dernier, il n'a pas survécu du tout. J'attendais pour voir si je ne revoyais pas des petites pousses à la base, mais non. Donc, je l'ai retiré et j'en ai repris un nouveau parce que ça, c'est quelque chose qu'on consomme quand même beaucoup. Et puis, c'est toujours agréable à avoir au potager. Je me suis pris du thym. Alors, celui-ci, je ne sais pas si vous allez bien voir le... le feuillage n'est pas complètement vert, en fait il a comme des petites variegations, donc c'est le... Ça te fait rire. C'est le Silver Queen celui-ci et il sent trop bon, moi j'adore. Et bien évidemment, j'ai pris de la sauge. L'année dernière, je n'avais pas trouvé la sauge classique verte. Ça va être délicieux et puis je vais pouvoir aussi la faire sécher. Donc j'ai reçu d'ailleurs des petits livres bien sympas dont je vous parlerai aussi très très vite, peut-être même dans cette vidéo, on verra. Je vais pouvoir d'ailleurs revérifier ou planter correctement tout ça. Je me suis pris aussi ici une petite, j'ai oublié le nom, un petit népéta. Je crois que ça fait des petites fleurs mauves. Je crois, je ne sais plus, il n'y en avait pas en fleurs là. Je ne sais plus si c'est bien celle-là qui fait des fleurs ou pas. Mais le feuillage déjà est très joli et un petit peu retombant comme ça. Ensuite, Marguerite du Cap ou Ostéospermum. Moi j'aime bien les couleurs orange. Alors je suis désolée pour la lumière, ça ne reflète pas bien la couleur. Mais je pense que vous voyez un petit peu lesquelles c'est. Une renoncule orange aussi, que j'aime beaucoup et elle a le bord un petit peu rosé, je pense que vous voyez un petit peu. Je me suis repris une Lewisia, je vous ai montré au tout début de vidéo que une des miennes donc a bien passé l'hiver et est en train de refleurir et ici j'en ai pris une. Avec les petites fleurs, plus un petit peu rosé. Mais un rose vraiment très 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 pastel, presque blanc. Voilà, on est à la limite du blanc. Mais du coup, je me suis dit, pour trancher avec l'autre qui est orange ligné un peu, ça pouvait être bien pour remplacer celle qui n'a pas survécu. Évidemment, si vous me suivez depuis un moment, vous savez... qu'il n'y a aucune saison ici à la maison sans œillets, évidemment, comme d'habitude. Je ne me lasserai jamais de leur odeur. J'adore les fleurs que ça fait, j'adore l'odeur que ça a, les diverses variétés. Bon, ici, ils n'en avaient que 3, mais moi, j'ai pris deux les mêmes ici, 2 roses comme ça. Et j'ai pris un autre. Classique aussi dans les œillets, je trouve, comme ceci. Voilà, il n'y aura pas que ceux-là comme œillets. Dès qu'ils en auront un petit peu plus dans la jardinerie près de chez moi, je ferai une petite razzia de couleurs différentes parce que c'est ce que j'aime le plus mettre au niveau ici, justement,
de la pluie de fenêtre. Et j'ai craqué sur un Nasser. Celui-ci. Alors, c'est pas le tout vert, celui-là, c'est le Orange Dream. Le feuillage, au fait, un petit peu, voilà, d'orange rouge comme ça. C'est plutôt la mi-ombre quand même, normalement, les acers. Donc voilà, ce sera pas pour mettre sur la terrasse. Je vais voir un petit peu, il faut que je revérifie pour avoir une meilleure idée là où je pense le mettre plus tard, de l'impact du soleil, au fait. Voilà, on va dire ça comme ça, pour être sûr qu'il n'en ait pas de trop et qu'il ne crame pas justement. Donc voilà pour les petits achats du jour. Si je refais un autre petit tour, je vous filmerai le reste. Et en attendant, bah, je vous laisse certainement pour la suite de cette vidéo. Face caméra, on est vendredi 28 avril si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, si j'arrive enfin à filmer cette partie, parce que ça fait je sais pas la quantième fois que je recommence. Alors vous allez avoir à mon avis un petit jeu de luminosité parce que le soleil apparaît, disparaît constamment aujourd'hui. Et je filme dans la cuisine, j'ai pas le choix pour que vous ayez le moins de bruit possible. Encore une fois, c'est ces travaux qui mettent mes nerfs à rude épreuve en ce moment, je vous avoue. Mes nerfs et ma concentration aussi à rude épreuve. Et Dieu sait que la concentration, j'en ai besoin en ce moment. Mais bon, voilà, vous risquez d'avoir des petits changements de luminosité. Désolée que ce soit plus agréable au niveau auditif pour vous. Il valait mieux que je me mette ici. Donc aujourd'hui, ben justement, vu que le soleil fait son apparition, je vais pouvoir aller planter les aromatiques dans le coin des aromatiques que j'ai fait au potager. Donc je vous filmerai ça. Et en intérieur, je vais m'occuper de quelques boutures. Je vais vous mettre maintenant, après, au montage, des petits inserts pour vous montrer d'un côté les boutures de syngonium qui étaient dans l'eau simple. Alors qu'à côté, ce sont des boutures de syngonium aussi, mais qui étaient justement dans le mélange eau et du produit Ayako que j'avais testé avec vous en vidéo lors de la deuxième partie des bouturages d'urgence. Donc on voit bien la différence. Les syngoniums qui sont dans l'eau avec le produit Ayako ont vraiment beaucoup plus raciné, donc on peut dire que c'est un bilan plutôt positif. Donc voilà, je vais passer un petit peu tout ça en sphaigne. Il y a d'autres boutures un peu plus simples, de potose. Je sais que je peux direct passer en terreau semi et bouture. Le phyllovericosum qui va pas bien du tout en eau, ça fait un moment que j'aurais dû le passer en sphaigne, mais j'ai pas eu le temps. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Je m'en doutais, en eau, le phyllovericosum, voilà, j'étais sceptique. De l'eau normale. Hein. Donc voilà, je vais faire tout ça avec vous aujourd'hui. Je vais vous filmer quelques petits passages et vous l'insérer dans ce vlog. Et j'avais envie de vous partager aussi deux livres qui ont un rapport ici avec le potager, puisque cette année, j'ai la chance de faire partie des personnes du programme Ambassadeur des éditions Rustica. Moi, j'aime beaucoup cette maison d'édition-là. J'avais déjà pas mal de livres de leur maison d'édition, parce que je trouve que c'est toujours très bien fait, même au niveau photo, etc. Une première sélection, j'ai fait le choix de 4 livres, donc j'ai terminé celui-ci, donc vous le verrez à l'envers, parce que là, pour une fois, je me filme où je me vois. Donc c'est Presque pas d'eau au potager de Jean-Yves Ménian. Alors il est tout petit, il fait 80 pages, petit mais très instructif, j'ai vraiment appris plein de choses super sympas. C'est vraiment pour réduire la fréquence d'arrosage, économiser l'eau au potager. Alors, ce que j'ai bien aimé déjà,
c'est son approche dans le fait qu'il n'y a pas de conseil universel par rapport à ça, parce qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Déjà les facteurs environnementaux, de là où on vient, est-ce qu'il pleut beaucoup, est-ce qu'il ne pleut pas beaucoup. Et il explique vraiment aussi les différents types de pluie, pardon, comment ça agit au fait au niveau du sol, comment le sol va l'absorber. Il vous parle des différents types de sol, de comment justement venir rééquilibrer votre sol pour qu'il ait déjà une rétention d'eau naturelle plus importante, sans être trop non plus. Voilà, il explique tout ça, les différentes techniques de culture qui vont aider aussi, comme par exemple la culture en cuvette, en butte, en bac. Voilà, il aborde vraiment tout ça, quand et comment arroser. Il va vous parler aussi des différents types de légumes, quels sont les légumes plus gourmands en eau, moins gourmands en eau, et aussi toutes les techniques d'arrosage qu'il existe. On voit ici aussi notamment une petite olla, et aussi comment aider à réduire la perte en eau, donc par évaporation, hein, qui peut se faire aussi avec les paillages. Donc là, il va aborder les différents types de paillages. Vraiment, c'est un petit bouquin, mais néanmoins très complet, très facile à comprendre aussi, je trouve. Maintenant, si vous avez une culture plutôt urbaine, donc c'est-à-dire quelques pots ou jardinières, je pense qu'il existe quand même d'autres livres qui sont plus axés là-dessus. Voilà, je vous conseillerais peut-être pas celui-là pour une culture vraiment urbaine en pot et en jardinière, mais si vous avez ne fût-ce qu'une toute petite parcelle où vous pouvez mettre un carré potager ou un bac, ça peut déjà être très intéressant du coup pour vous, celui-ci. Moi en tout cas, j'ai appris plein de choses sympas, notamment aussi comment faire ses propres graines. Pourquoi c'est intéressant de le faire. Donc je pense que je vais tester cette année quelques petites choses grâce aux conseils que j'ai pu lire dans celui-ci. Et le second, lui, je ne l'ai pas terminé forcément parce qu'on est sur, je ne sais pas si je peux dire deux fiches, mais enfin je vais dire comme ça, deux fiches de 50 légumes quand même, donc c'est beaucoup. C'est le petit ABC Rustica potager bio de Rosane Lepage avec 350 dessins geste par geste. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans celui-là. Donc là, j'ai commencé, je suis au début. Ils vont aborder vraiment la technique. Voilà, donc le début des cultures, les arrosages, etc., etc. Et ensuite, vous avez pour donc 50 légumes ce format-là. Voilà, moi ici on a les aubergines du coup. Dans ce petit encadré là, vous allez avoir l'exposition, le sol, l'arrosage, la production, combien de temps ça prend. Et aussi, et ça c'est cool, les plantes amies et les plantes ennemies. Donc vous savez, vraiment cette cohabitation entre légumes qu'il est préférable de faire ou qu'il ne faut pas faire au même endroit. Donc ça c'est génial parce que c'est en un coup d'œil, on les a ici, ça c'est cool. Vous avez ça pour chaque légume et puis vous avez l'explication vraiment geste par geste et ça je trouve ça génial. Les dessins sont très beaux. Moi j'aime bien ce format, comme ça on peut dessiner à la main et coloré, et c'est très précis, vraiment on voit bien les gestes à effectuer, ça c'est génial, parce que j'ai déjà vu d'autres livres que je n'ai pas forcément là, mais des livres plus condensés aussi parfois, et qui sont plus difficiles, on voit pas bien le geste à effectuer, là franchement on voit bien tout, on vous dit que faire avec les dates, vraiment là de mai à juin jusqu'à début juillet. Donc vous avez toutes les explications, c'est pas que sur une seule page, hein, vous voyez, c'est vraiment geste par geste, quoi. C'est super, super top. Et vous avez chaque fois comment produire aussi ces semences, tout un encadré ici, sur comment faire pour récupérer les semences et les produire soi-même. Donc ça, c'est top aussi. Et donc vous avez ça forcément pour chacun des légumes, je trouve ça vraiment top. Donc voilà, celui-là, je vais terminer de le lire et je vous ferai sûrement sur Instagram des petites revues, des livres du coup que je vais lire. Donc j'en ai encore deux autres, un qui est vraiment sur tout ce qui va être plantes, balcon et terrasse. Donc ça, c'est cool, vraiment tout, plantes fleuries ou non. Légumes, fruits, etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourra vous intéresser parce que je sais que vous êtes beaucoup à avoir des petits espaces aussi.
Donc celui-là, ce sera ma prochaine lecture et ensuite j'en ai un autre qui est sur les, le côté sensoriel, intuitif, spirituel quelque part, hein. Un peu comme une herboristerie là plutôt. Voilà, vous savez l'intérêt que j'ai pour tout ça aussi. C'est le quatrième que j'ai choisi, donc ce sera le suivant aussi. Donc voilà, mais je vous partagerai tout ça dans de prochaines vidéos également. Donc je vous laisse là, moi, pour la suite de ce vlog, sinon il va durer beaucoup trop longtemps et peut-être qu'on se retrouvera un petit peu plus tard. On se retrouve du coup un petit peu en voix off. Je me suis occupée de toutes les boutures juste après. Donc les syngoniums, les phyllos, le phylloastatum. Je suis venue couper un bout qui avait un petit peu noirci. Donc voilà, j'ai pas tenté le diable, je suis venue couper et j'ai mis la bouture avec celle de syngonium. Le philodendron verrucosum, pareil, j'ai coupé un bout et vous voyez, ses feuilles sont un peu en mode salade, défraîchies. Il était vraiment pas bien, donc on verra la suite. Et là, les boutures de pothos, les tronçons qui ont raciné, ainsi que toutes les autres boutures. Il y en a un seul que je mets en sphaigne parce que c'est pour une amie et ça devra partir en France. Donc voilà, je veux vraiment qu'il développe un bon système racinaire avant. Et pour toutes les autres boutures, eh bien je vais les rempoter avec celui que j'avais déjà là. Et je vais faire un mélange et attention les yeux, oui je coupe des racines. Je l'ai fait exprès parce que il était un peu trop développé. J'avais pas envie de le changer, de mettre un pot trop gros. Donc voilà, dans ce cas-là, on peut couper un petit peu les racines. Et jusqu'à présent, en tout cas au moment où je monte la vidéo, il se porte très bien. Donc je suis venue mettre toutes les autres nouvelles boutures avec. C'était le but de venir renflouer un petit peu le tout. Et je mets également les tronçons aussi. Comme ça, ça me fait une super jolie potée de plein de pothos différents. Il y a le golden, le marble et le enjoy et un qui est un peu réversé. Et voilà. Je passe en extérieur, je fais en voix off parce que le bruit était insupportable. Donc on a de l'amande, de la ciboulette, ici on a une encolie que j'avais laissée, j'aime bien faire un mélange avec des fleurs. Et ici on a, je ne sais plus, je vous marquerai le nom, mais j'aime beaucoup, j'avais planté ça l'automne dernier et donc on va planter les aromatiques. Je viens d'abord déblayer le paillage, retirer la terre. Bon là je le fais avec une petite pelle mais vous allez voir après je suis allée chercher la bêche. C'était beaucoup plus simple pour moi. Je ne rajoute rien de spécial, juste la terre de jardin. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ça va quand même plus vite avec ça qu'avec ma toute petite pelle. Par contre il y a pas mal de racines à ce niveau-là donc j'ai dû enlever un petit peu tout ça. Je fais de même pour la sauge. Pour l'arrosage, je suis venue déposer de l'eau que j'ai récupérée, c'était de l'eau de pluie. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, c'est pas fini puisque je vais mettre d'autres aromatiques et des fleurs, voilà tout le pourtour et la petite coupelle aussi pour les abeilles, les pollinisateurs que voici, donc c'est tout simple à faire. Et ensuite je suis passée un autre parterre, c'était la catastrophe. J'avais déjà coupé des feuilles mais j'avais laissé tout en tas. Donc voilà le résultat. Il n'y a pas grand chose, il faut que je réagrémente un petit peu le tout. Par contre j'étais très contente puisque mon Fatsia japonica variegata, je pensais qu'il était mort et pas du tout, il refait des pousses. Donc là j'étais très très contente. Et le phlox qui continue de pousser. Après cette grosse journée, je me suis reposée avec ma lecture. Ça
samedi, on est allé chez mes parents comme d'habitude. Je ne suis pas revenue sans rien. Mon papa m'a donné des graines et des plants de légumes que je suis allée déposer dans la serre pour les plants en attendant de pouvoir les planter. Dimanche, avec monsieur l'assistant, on s'est occupé du jardin. Donc ici, vous voyez qu'on a recouvert le sol désherbé d'une petite bâche, récupéré normalement des bacs des fraisiers que j'avais jamais mis. On l'a fixé au sol et j'ai planté la serre là-bas. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, je me recule un peu. On le voit nettement ici. Toute l'après-midi, il y a un coin plus ombragé comme ça. Donc même si la serre après va grandir, ça devrait aller. Et l'objectif, c'est de remplir tout ce coin-là de plantes demi-ombre. J'ai déplacé du coup le bac où j'avais normalement ma camomille romaine. On verra si ça repousse. Je pense que oui, je crois que c'est ça. Donc bon, on verra bien. Lundi, je me suis occupée du soin de quelques plantes d'intérieur, notamment avec les produits Ayako. On arrive à la fin de ce weekly vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si le cœur vous en dit, bien sûr, comme d'habitude. Moi, je vous fais plein de bisous green et on se retrouve dimanche pour une vidéo plante.